Dr. Sara Andreotti. I'm a marine biologist and I represent the Shark Safe Barrier Company. Our mission is to solve the shark-human conflict by keeping large sharks separated from people. Sharks are top predators, vitally important for maintaining the ecosystem balanced and healthy. Unfortunately, they're also the most sensitive. Bienvenue sur le plateau de la Biomim Expo Digital Week. Très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale sur l'économie régénérative parce qu'on va ouvrir cette idée du biomimétisme à l'économie circulaire, à l'éco-conception, à l'économie sociale et solidaire parce qu'évidemment, comme dans le vivant, tout cela est lié et le biomimétisme n'est pas une affaire de clan, bien au contraire. Donc très heureux de cette séquence entre 14h30 et 16h qui nous emmènera jusqu'à une autre séquence un peu spéciale à 16h30, une séquence de clôture un peu chorale où un certain nombre d'amis vont nous retrouver en duplex pour clôturer cette semaine un peu folle du biomimétisme, ce festival du biomimétisme. Et très heureux de ce plateau pour cette approche sur le régénératif et le circulaire parce que nous avons la chance d'avoir un très beau panel pour aborder ces différents sujets, à commencer par Claude Grison. Merci beaucoup, Claude, d'être avec nous. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cette dernière journée de Biomim Expo, qui est vraiment une opportunité pour faire un petit peu le point sur les approches biomimétiques qui sont source de solutions, d'action face à la catastrophe écologique que nous connaissons tous. Donc merci. Merci beaucoup Claude, on est ravis de vous écouter, de vous réécouter. Vous étiez déjà venu à Biomim Expo en 2017, si je me souviens bien, mais vos travaux sont passionnants, votre passion aussi sûrement. Donc on est très heureux de redécouvrir ça dans un instant. Bonjour et merci Brieux Saffray de Circulab d'être aussi avec nous. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci Brieux. Grand spécialiste, entre autres, d'économie circulaire. Donc, on est très content de compléter les propos grâce à ton regard et ton expertise. Bonjour, Timothée Kellar de Ecodev, cofondateur d'Ecodev. Bonjour, Timothée. Peut-être qu'on t'entendra mieux si tu branches ton micro. Effectivement. Ah, voilà. Merci pour l'invitation et bonjour. Merci, Timothée. Et Léa Zaslavski, cofondatrice de Make Sense. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Mais oui, parce que nous allons nous ouvrir sur l'économie à impact, sur l'économie sociale et solidaire. Et je ne suis pas tout seul en plateau parce que j'ai la chance d'être accompagné par Christophe Sachs, capitaine du projet Gaillarta. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Eh bien, nous sommes en bonne compagnie. Et ce qu'on vous propose, c'est de démarrer avec un entretien grand angle et de profiter de la présence de Claude Grison. Claude, vous êtes directrice scientifique de ce qui s'appelle aujourd'hui BioInspire, une jeune nouvelle entreprise que vous venez de co-créer avec Pierre Leblinvaux de Technofounders. Mais vous êtes évidemment aussi directrice de recherche CNRS. Vous avez depuis de longues années et vous continuez à enseigner, je crois, à l'Université de Montpellier. Vous avez depuis de longues années développé des travaux, notamment sur une approche qui est assez époustouflante parce qu'elle consiste à faire en même temps de la dépollution, du régénératif, de la chimie, de l'éco-catalyse, du circulaire. Donc, vous n'êtes pas loin d'avoir trouvé une forme de Graal, j'ai l'impression. Oh, je n'irai pas jusque-là. Je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à tous les travaux qu'on essaie de développer. Je pense d'ailleurs que c'est une leçon générale pour chacun d'entre nous et le contexte nous le rappelle au quotidien.
En tous les cas, je pense que les résultats que je présenterai là sont vraiment le fruit d'une réflexion, je veux dire, autour de la nature, des actions humaines, donc qui l'endommagent au quotidien, mais également peut-être des solutions qu'on peut mettre en place pour donner une chance à la nature d'exprimer ses facultés de résilience. Oui, très, très intéressant. Bien sûr, toujours rester modeste, mais enthousiaste, et des solutions qui sont au service de la nature et du vivant et qui probablement, et on est très content de vous écouter, probablement apportent aussi un autre éclairage sur cette approche de l'économie circulaire, en tout cas une autre façon d'appréhender les choses. Merci beaucoup. On vous laisse 10-15 minutes, évidemment, pour prendre le temps de respirer avec vous et que vous nous emmeniez dans vos travaux de recherche en nous expliquant tout ça. Merci beaucoup, Claude. Merci Alain. Donc, en fait, les activités de BioInspire s'appuient sur deux piliers. Donc, le premier, donc Alain vient de présenter, à savoir agir par la nature, selon vraiment une approche complètement bio-inspirée. Mais pas seulement. Le deuxième pilier auquel je tiens beaucoup, c'est que cette action est vraiment orientée pour la nature, au service de, de l'environnement, ce qui est donc un critère fort pour une activité, une démarche biomimétique. C'est d'ailleurs ce que je pense qui lui apporte toute sa légitimité. Le contexte donc actuel est assez pressant et nous rappelle bien le problème. J'aime bien rappeler les propos de Théodore Monod qui l'exprime très bien. Parler de l'homme dans la nature revient malheureusement presque aujourd'hui à parler de l'homme contre la nature. Et pour exprimer un petit peu cette difficulté, eh bien, je vous propose de voyager quelques instants, quelques secondes, et d'aller en Nouvelle-Calédonie, sur le cliché suivant, où vous voyez ici un affleurement de nickel, le minerai nickel, qui est d'origine géologique. Ce n'est pas l'homme qui introduit ce nickel dans le sol, il est présent depuis des siècles. Et là, il y a un parallèle assez intéressant, à mon sens, entre l'adaptation du vivant, du milieu végétal notamment, face donc à ce nickel et l'action humaine. Il faut savoir que le nickel est toxique pour tous, autant pour des plantes que pour un être humain. Il est cancérigène, mutagène, etc. Donc pour une espèce végétale, croître sur un territoire très riche en nickel est une difficulté particulière, c'est un vrai défi. Eh bien, il y a plus de 60 espèces sur le territoire calédonien qui se sont adaptées à ce scénario. Et d'une façon vraiment spectaculaire, un certain nombre d'arbres, comme celui que vous voyez, cet arbre à la sève bleue, survit parce qu'il a trouvé une stratégie qui lui permet d'extraire via son système racinaire ce nickel, de le transporter, puis d'aller le stocker dans ses parties aériennes, comme pour mieux s'en protéger. Ces concentrations sont énormes, on peut trouver jusqu'à 20% de nickel dans la sève, d'où cette couleur bleue que vous pouvez voir ici. Ça, c'est la stratégie d'adaptation du milieu végétal. On trouve d'ailleurs au-delà du territoire calédonien, à Cuba, le long du pourtour méditerranéen et encore ailleurs. Voyez en dessous l'activité humaine face à ce minerai nickel qui est assez différente. Il s'agit de l'exploiter de la façon la plus intense possible. Pour en faire quoi? Eh bien, on en a un usage quotidien, donc on est tous solidaires de cette action. C'est par exemple faire de l'inox. Pourquoi l'acier ne rouille pas? C'est parce qu'il est recouvert de nickel. Donc, on est environné de plein d'objets autour de nous qui encouragent cette exploitation intense du nickel. Et pourtant, les conséquences sont assez dramatiques. Après l'exploitation d'une parcelle, le sol est tellement dégradé. On a introduit des éléments polluants métalliques de façon définitive et aucune végétation ne peut reprendre. Alors bien sûr, ceci affecte fortement la biodiversité calédonienne, qu'on qualifie pourtant de point chaud de la biodiversité mondiale, mais pas seulement. Donc si aucune végétation ne reprend, on comprend alors facilement que lors des orages tropicaux, des cyclones, les sédiments miniers sont complètement lessivés, emportés, et d'ailleurs malheureusement les habitations aussi, puisqu'il n'y a plus rien pour retenir le sol, plus de végétation. Et ces sédiments riches en nickel et en autres métaux toxiques sont alors entraînés dans les rivières où ils sont à leur tour toxiques pour la vie aquatique, puis se déversent dans le lagon calédonien qu'on considère pourtant comme le plus beau du monde. Il s'agit d'un stress supplémentaire pour le récif corallien qui n'en a pourtant pas besoin. Alors que faire par rapport à ces scénarios? Donc, c'est ce que vous allez voir sur la diapo suivante. L'idée pour nous est de s'inspirer
d'une idée très forte que tout le monde connaît de Léonard de Vinci, aller prendre ses leçons dans la nature, regarder comment la nature en fait s'adapte à ces contextes. Je vous ai présenté tout à l'heure l'exemple de l'arbre à la sève bleue. Eh bien, donc c'est un petit peu regarder comment font ces espèces qui sont capables de survivre sur ces sols riches en métaux et qui font ce qu'on appelle de la phytoextraction, un procédé complètement naturel où vous le voyez. Donc les métaux sont extraits par les racines puis stockés dans les feuilles. C'est ce qui nous a servi de moteur, d'inspiration, vous allez le voir tout à l'heure, pour, je vais dire, réhabiliter tous ces sols fortement dégradés, voire pollués. Parallèlement, on le verra aussi, deuxième source d'inspiration de la nature, les plantes aquatiques, en particulier les plantes flottantes. Il est toujours très surprenant de découvrir comment survivent des plantes qui ne sont même pas enracinées au fond d'une rivière ou sur des berges et qui doivent se nourrir, se débrouiller seules en flottaison pour aller capter le moindre petit nutriment qui passe dans l'eau à l'état très dilué. On verra tout à l'heure, elles ont développé un système racinaire absolument inouï qui nous permet, eh bien, là encore, de développer des solutions complètement inspirées de cette technique naturelle de rhizofiltration pour dépolluer l'eau. Voyons concrètement comment ça se passe, donc avec la diapo suivante. Et c'est un petit peu le point de départ en fait, de tout ce projet qui nous a emmenés dans le Gard, un haut lieu de l'activité minière qui s'est arrêté dans les années 90. Aujourd'hui, l'héritage de cette activité, eh bien, c'est la présence de sols extrêmement pollués. Vous voyez l'image ici, pourtant d'un très beau village qui est au bord des Cévennes, mais où il y a pourtant dans le sol 500 à 800 fois plus de métaux de type zinc, cadmium et plomb que ce que tolèrent les normes européennes. Inutile de vous dire que la vie est impossible dans un tel sol. Il n'y a aucune espèce végétale normale qui peut s'y développer. Très peu de bactéries d'ailleurs. Donc on a vraiment une biodiversité extrêmement pauvre dans ce type de contexte, de sol. Ici, un bassin de décantation. Comment faire ? On est proche, je vais dire, d'une zone où le mistral souffle, et au premier coup de vent, ces particules métalliques, donc complètement à l'air, vont malheureusement contaminer le hameau donc voisin où vivent donc une quinzaine d'habitations. Comment faire pour remédier à de telles solutions ? Donc, je sais que ce matin, donc ont été discutées les solutions traditionnelles, excavation des terres, qu'il faut les traiter donc dans des usines avec des coûts environnementaux extrêmement lourds. Des procédés qui ont un impact donc indésirable, de nouveaux déchets à traiter, ça n'est pas satisfaisant. Le confinement ne l'est pas plus. Donc, notre idée est d'essayer de s'inspirer de quelque chose qui nous a interpellé. C'est l'existence de quelques plantes qui arrivaient tout de même à survivre sur ces sols fortement contaminés. Ce n'est pas normal, donc ça a fortement attiré notre attention et on a là identifié un certain nombre de plantes tolérantes à cette pollution. Même si elles ne se portaient pas forcément très bien, elles étaient présentes. Donc, un signe fort d'adaptation. Et parmi elles, deux d'entre elles faisaient encore plus. À l'image de l'arbre à la sève bleue, elles sont capables d'extraire ici le zinc dans leurs racines et de le stocker dans leurs feuilles en quantité absolument astronomique. On parle même de folie végétale. Et pourtant, elles le font. Pour nous, l'idée a été d'essayer de mieux comprendre les stratégies d'adaptation de ces plantes de façon à les aider à se développer de façon intense pour qu'elles puissent recouvrir donc ce sol mis à nu et pollué par un couvert végétal protecteur qui limiterait l'envol des poussières métalliques. C'est ce que vous allez voir sur la diapositive suivante. Donc au début, ça a été 4 années de recherche intense pour comprendre eh bien, le mode de vie de ces plantes hors normes, de ces plantes phyto-extractrices, donc du zinc, qui vivent avec un cortège de micro-organismes. Quelqu'un a parlé ce matin eh bien, des mycorhizes, très importants dans ce type de sol, mais également de bactéries qui jouent un rôle majeur, en particulier ici, puisque l'une des deux plantes est une légumineuse. Quand on a réussi à identifier ces micro-organismes et leur propre mode de vie, eh bien, on a été capable en 2012 d'introduire donc ces deux espèces hyperaccumulatrices sur ce sol donc qui était donc complètement désertique. On a eu le bonheur de voir qu'en 2 ans, eh bien, ces plantes s'étaient développées de façon intense, sans assistance de notre part. Et la belle histoire, c'est que ces plantes pionnières ont laissé la place à d'autres plantes plus communes, donc tolérantes certes, mais plus classiques, plus conventionnelles. Et aujourd'hui, en 2020, la nature a repris ses droits. Et donc, on a pu montrer, oui, on peut réhabiliter ce type de site. Il suffit quelque part eh bien, de donner donc, la possibilité donc, à la nature d'exprimer sa résilience, comme je l'ai exposé tout à l'heure.
Ces résultats nous ont beaucoup encouragés et nous ont amenés en Nouvelle-Calédonie, comme j'évoquais tout à l'heure, au lieu de l'activité minière. Donc, vous allez voir sur la diapositive suivante, on a essayé de développer la même stratégie, mais bien sûr avec des plantes qui sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est une richesse extrême. Donc, il y a un lot très nombreux de plantes qui sont adaptées à des concentrations terribles, en nickel ou autres métaux toxiques. Et donc, on a cherché parmi elles celles qui étaient proches des zones à réhabiliter pour qu'elles soient dans leur habitat naturel. On a essayé, là encore, de comprendre leur mode de physiologie très particulier, de les implanter sur le sol très jeune et de suivre leur croissance avec beaucoup d'efforts en écologie scientifique. Et aujourd'hui, avec la participation des acteurs locaux, des opérateurs miniers français également, qui nous ont beaucoup soutenus dans ces activités, ils ont pu montrer que ces plantes se développent de façon intense. Donc oui, il est possible de réhabiliter des sites miniers avec donc des plantes qui sont adaptées à ces contextes. Donc, ces exemples sont bien sûr encourageants, mais à chaque fois, on a bien repéré que qui dit pollution du sol entraîne un autre type de pollution. Ça, c'est ce que vous allez voir sur la diapositive suivante. Et vous voyez là, bien sûr, il y a un continuum de pollution entre celle du sol et celle de l'eau. Or, bien sûr, l'eau est vitale. Elle est bien sûr force motrice de la nature et indispensable pour tous. Selon d'ailleurs le pôle français de l'eau, l'eau serait la ressource qui serait la première concernée par le dérèglement climatique. Mais moi, je dirais qu'elle est tout simplement la première menacée par les activités humaines, en particulier les activités minières et autres, agricoles et autres types d'actions que nous menons. Donc, c'est une forte préoccupation et nous avons voulu, là aussi, montrer que des solutions bio-inspirées étaient possibles, avec une démarche tout à fait similaire. Donc, vous allez voir un petit peu sur la diapo suivante, comment on a essayé de développer des techniques complètement écologiques. On a tout d'abord essayé de s'intéresser à des plantes aquatiques qui étaient connues pour développer un système racinaire très massif, très efficace pour la séquestration des nutriments naturels. Et on a vu quand même que ces plantes avaient vraiment des capacités absolument sidérantes pour séquestrer les éléments métalliques, utiles ou polluants, la plante ne faisant pas la différence. Ça nous a beaucoup interpellés, ça nous a amené à se demander mais comment ces plantes sont capables de séquestrer des quantités monumentales d'éléments métalliques. La réponse a été très intéressante. En fait, la plante est passive devant ces phénomènes, elle ne participe pas à la séquestration des métaux. Elle a tout simplement un système racinaire qui est extrêmement bien fait et qui possède des antennes moléculaires qui vont donc s'accaparer la moindre trace métallique qui passe dans l'eau. Ainsi, ceci nous a donné l'idée de construire des filtres d'origine végétale, 100% d'origine végétale, donc qui ont cette structure moléculaire donc de ces plantes flottantes. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, en utilisant des systèmes racinaires réduits à l'état de poudre et conditionnés selon un protocole mis au point au laboratoire, on a pu développer de vastes filtres végétaux remplis de cette poudre, avec comme objectif de prélever de l'eau dans des milieux naturels pollués, les faire passer à travers ces colonnes remplies de filtres, et en sortie de colonne, l'eau peut être rejetée dans l'environnement répondant aux normes. Plusieurs systèmes opérationnels en milieu industriel ou dans la nature ont ainsi été développés. Et comme nous avions à cœur de donner une dimension industrielle à ces résultats, nous avons beaucoup réfléchi à la source de plantes aquatiques qui pourraient alimenter des colonnes à une dimension industrielle. Comment donc ce scénario donc a évolué? Nous avons beaucoup travaillé avec des acteurs de la région Occitanie qui s'occupent de la qualité des eaux. Nous avons là découvert un autre scénario problématique, peut-être moins connu, qui est l'existence de plantes exotiques envahissantes. Des plantes qui n'ont rien à faire ici, en Europe en particulier. Elles viennent en général du continent américain, mais elles ont été introduites maladroitement par des activités de type aquariophilie ou autre. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique favorise leur développement intense et elles sont en train d'étouffer la vie aquatique. Aujourd'hui, le projet a complètement évolué en essayant de participer à la gestion de la récolte de ces plantes invasives pour leur donner une seconde vie. Comment? C'est ce que vous allez voir sur le cliché suivant. On a construit de vastes pilotes qui vont pomper donc des eaux chargées en éléments métalliques qui peuvent être extrêmement variés, donc des métaux primaires communs, zinc, nickel ou autres,
des métaux toxiques comme le cadmium, le plomb, l'arsenic, mais aussi des métaux très stratégiques qui coûtent cher, plus cher que l'or, le palladium, le platine, voire des terres rares. On peut les recycler, on peut les récupérer avec beaucoup d'efficacité dans l'eau, et donc ceci uniquement avec donc ces poudres végétales qu'on a identifiées et qui dérivent de ces plantes exotiques envahissantes. Aujourd'hui, tous ces résultats de recherche sont donc valorisés à très grande échelle par la société BioInspire, qui développe ces filtres de façon intense dans différents contextes. Donc, ces solutions écologiques sont opérationnelles à grande échelle, mais lèvent une autre question. Donc, on va voir cette question qui, à mon avis, est vraiment très importante. C'est, bien sûr, nous avons trouvé des solutions pour, réhabiliter, restaurer les écosystèmes terrestres avec des plantes qui stockent des métaux dans leurs feuilles. On a conçu des filtres végétaux qui, eux aussi, sont capables de dépolluer et de stocker des métaux. Mais que faire de ces biomasses chargées de métaux? Pour nous, cette question est fondamentale parce qu'elle pose deux problèmes. Il ne suffit pas de dépolluer, il faut réfléchir bien sûr à l'avenir de ces filtres ou de ces feuilles chargées en métaux. Est-ce qu'on était là en train de générer de nouveaux déchets? Pour nous, c'est hors de question, dans une démarche complètement écologique, si on voulait être en cohérence avec nos objectifs initiaux, il fallait trouver un avenir à ces biomasses chargées en métaux. Deuxième réflexion, qui a fait l'objet de beaucoup d'études dans le domaine de l'écologie, c'est qu'on sait très bien que des solutions écologiques, même performantes, ne sont pas durables si on n'est pas capable de leur conférer une valeur économique. Donc, il fallait trouver une seconde vie à ces biomasses chargées en métaux qui avaient une valeur économique, industrielle importante, mais qui soit en cohérence avec nos efforts de dépollution écologique. Donc, vous allez voir sur la diapositive suivante, quelle est cette solution? Eh bien, on a montré que ces feuilles, en particulier âgées, quand elles sont à l'état de litière, qui sont très chargées en éléments métalliques et qui viennent de ces plantes hyperaccumulatrices de métaux, ou ces poudres végétales qui viennent de la dépollution de l'eau, pouvaient être des outils chimiques extrêmement utiles. Des outils chimiques qui pouvaient remplacer ce qu'on appelle des catalyseurs en chimie, des boosters de réaction, des facilitateurs de réaction. Et on les a étudiés pour les mettre en œuvre dans des procédés de chimie verte, un domaine très cadré dans le domaine de la chimie, donc avec vraiment des contraintes fortes qu'on essaie de respecter au mieux, et s'inscrire vraiment dans une démarche de développement durable, donc en utilisant ces éco-catalyseurs donc en chimie. Bien sûr, pour que tout ceci ait un sens, il fallait générer, là encore, en chimie, aucun déchet. Eh bien, quand les réactions chimiques avec ces catalyseurs d'origine végétale sont terminées, on recycle le catalyseur végétal par nos propres procédés de biosorption, de dépollution, et on travaille ainsi en économie circulaire sans générer de déchets métalliques. Alors, on peut se demander à quoi servent tous ces catalyseurs d'origine végétale. Qu'ont-ils de plus qu'une filière conventionnelle, métallurgique, minière? Bien, vous allez voir dans la diapositive suivante en fait, que la nature fait vraiment bien les choses parce qu'elle nous a amené à découvrir que nos catalyseurs n'avaient pas du tout la structure des catalyseurs qui viennent d'une filière minière. Ils sont composés d'espèces chimiques qui sont uniques, que la chimie ne connaissait pas du tout et qui est ouvert devant nous véritablement un nouveau domaine de la chimie dont nous sommes fiers bien sûr, mais nous n'y sommes pour rien, c'est la nature qui les met à notre disposition et il faut vraiment clairement le rappeler. En tous les cas, qui sont source d'innovation continuelle. Et je voudrais vous montrer à quoi ça peut vraiment servir très concrètement. Donc, on va le voir sur la diapositive suivante. Eh bien, vous savez peut-être que la chimie en Europe est de plus en plus réglementée et a quand même le courage, il faut le noter, de supprimer ou de réglementer très fortement de plus en plus tout produit chimique ou tout catalyseur chimique qui serait toxique pour l'homme, toxique pour l'environnement ou dangereux tout simplement manipulé. Tout ceci est évidemment intéressant, mais il ne suffit pas d'interdire, il faut trouver des solutions. Et on a voulu montrer que nos catalyseurs d'origine végétale permettaient vraiment d'apporter des solutions de substitution à ces interdictions de la réglementation européenne. Comment résoudre le problème, par exemple, des oxydants de la chimie qui sont tous mis en défaut par REACH? Pour nous, pour ne pas tomber dans les biais du passé, l'idée a été à nouveau de s'inspirer de la nature, regarder comment la nature gère ces réactions d'oxydation. On a un bel exemple dans la photosynthèse. Tout le monde la connaît, a priori, transformer du CO2 en sucre avec un petit peu de lumière. C'est ce que fait une plante sous nos yeux en permanence. En fait, c'est une véritable petite usine chimique très, très bien faite, très complexe, très élaborée, qui met en œuvre une réaction d'oxydation,
qui est capable de transformer avec beaucoup d'efficacité l'eau en dioxygène. Ça, c'est sidérant pour le chimiste parce que cette réaction n'est pas facile. Et quand on regarde comment fait la feuille dans la photosynthèse, elle utilise un mélange de manganèse et de calcium. Elle a créé une entité donc qui associe ces deux éléments métalliques pour le faire avec beaucoup d'efficacité. Alors, nous avons choisi de nous inspirer complètement de cette structure, essayer de la mimer, de la générer à partir de nos catalyseurs d'origine végétale. C'est ce que vous allez voir sur la diapo suivante. Eh bien, vous voyez ces images au microscope à haute résolution à droite, donc ces bâtonnets, ce sont exactement les analogues des mimes très proches de ce que fait la photosynthèse dans une feuille. Mais nous, on l'a tout simplement généré par des plantes qui accumulent sans arrêt le manganèse et qui associent elles-mêmes le manganèse au calcium. On a ainsi pu générer des catalyseurs métalliques, certes, mais d'origine végétale et qui sont vraiment des mimes parfaits, très efficaces en réaction d'oxydation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quoi ça peut servir? Vous allez voir sur la diapo suivante. Tous ces catalyseurs qui viennent de nos efforts pour dépolluer les sols sur les sites miniers, traiter les effluents dans les carrières, les sites miniers, les industries chimiques, nous ont permis de générer ces mimes de la photosynthèse. Et aujourd'hui, on les met en œuvre pour transformer des ressources naturelles, par exemple le limonène qu'il y a dans le citron, pour faire les entités moléculaires qui permettent de construire les plastiques biodégradables. Donc, on voit là que finalement, la nature nous permet de trouver des solutions pertinentes des interdictions réglementaires, et tout ceci en cohérence avec une démarche écologique. Bien sûr, ces exemples ne sont pas les seuls, et donc tout un panel d'applications sont aujourd'hui en développement. Vous allez le voir sur la diapo suivante. Et aujourd'hui, cette catalyse écologique qui vient de ces efforts de dépollution nous permet de faire des cosmétiques qui ont donc un pourcentage de naturel très fort, jusqu'à 100% de composés biosourcés, d'ingrédients biosourcés pour faire ces molécules, de revoir également la production de médicaments à bas coût grâce à la performance de ces catalyseurs écologiques, faire des intermédiaires donc clés pour l'industrie chimique en remplacement de la pétrochimie, et bien sûr d'aborder le gros problème des pesticides, et là encore en s'inspirant de la nature, en allant voir comment les plantes font pour se défendre contre les insectes, regarder quelles sont les molécules émises et s'en inspirer pour faire donc des pesticides de nouvelle génération qui sont complètement naturels. Simplement, on les synthétise pour ne pas épuiser les ressources végétales avec la sélectivité que la nature sait faire, c'est-à-dire sans toxicité. Donc, pour terminer sur ce volet de l'éco-catalyse et de la valorisation économique des efforts de dépollution, je pense pouvoir dire aujourd'hui que si on observe finement la nature, ça nous donne beaucoup plus de chances de la préserver, voire dans certains cas de la restaurer. Et donc, cette belle histoire est également à l'origine du développement d'une nouvelle chimie qu'on veut sans empreinte environnementale, sans intrants chimiques, et qui découle directement de ces efforts écologiques. Donc on peut dire que la chimie est finalement une force motrice pour les efforts écologiques, puisque pour Bioinspire, c'est ce qui va donner, toute la valeur économique à toute cette filière. Mais à l'inverse, les efforts écologiques, pour nous, sont source d'inspiration et d'innovation en chimie. Si ces résultats sont donc pour nous positifs, motivants, enthousiasmants, il ne faut pas non plus oublier quand même un problème fondamental que Philippe de Saint-Marc rappelle très bien. Donc, il ne faut pas se sentir propriétaire de la nature, car ces solutions de réhabilitation, de restauration ont un coût. Elles sont complexes et bien sûr, ce coût est très supérieur à celui qui consisterait tout simplement à protéger la nature. Donc, c'est vrai que dans notre société qui est quand même assez matérialiste, c'est quelque chose qui doit porter à réflexion. Donc, tous ces travaux sont bien sûr possibles grâce au laboratoire qui était en photo sur cette dernière diapo que je voudrais quand même montrer. C'est une approche complètement, interdisciplinaire, équipe jeune, vous le voyez, mais qui travaille de concert en écologie, en chimie, mais aussi en anthropologie pour prendre beaucoup de recul sur ces travaux et en tous les cas s'inscrire là encore dans ce que Léonard de Vinci avait compris depuis longtemps. Il ne suffit pas de savoir. Il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas d'élaborer des résultats de recherche. Il faut essayer de les appliquer, les développer le plus loin possible. Et c'est ce que nous essayons de faire en transférant donc nos résultats vers la société Bioinspire.
Bah écoutez, un grand merci Claude Grison, parce que vos travaux sont absolument remarquables et exemplaires, évidemment, de cette approche de la bio-inspiration et de cette idée que, évidemment, la nature peut nous apporter des solutions innovantes. On est vraiment dans une approche que vous qualifieriez de disruptive. On est vraiment sur une autre forme d'éco-catalyse biosourcée. Oui, oui, c'est vrai. On a vraiment souhaité, je veux dire, oublier, en fait, toute cette discipline chimique traditionnelle telle qu'elle est conçue depuis longtemps. Essayer vraiment de rompre avec donc les préjugés, les façons de faire. Essayer de s'inspirer à 100% de la nature. Je veux dire, pour nous, c'est un guide merveilleux qui nous permet de travailler autrement, différemment, mais qui est bien sûr difficile au quotidien, puisque voilà, il faut créer de nouvelles approches. Et ça l'est encore d'autant plus quand on veut leur donner une dimension industrielle. Mais pour l'instant, pour nous, c'est une très belle aventure que Bioinspire soit là pour développer de façon intense tous ces résultats. Alors, je vais laisser Brieux Saffré et ensuite Timothée Kellard réagir, mais j'ai une ou deux questions. Comment vous êtes-vous laissé surprendre par cette folie végétale, puisque c'est le terme que vous avez employé à un moment donné, c'est-à-dire cette nature qui existe là où, théoriquement, sur le papier, elle ne devrait pas exister. Est-ce que vous avez... besoin de trouver une solution à cette approche d'éco-catalyse plus respectueuse de l'environnement, et vous avez été chercher dans des espaces des solutions végétales qui pourraient vous surprendre, ou est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard et vous êtes dit qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors, l'histoire de départ est pour moi très intéressante à évoquer, parce qu'en fait, j'ai découvert ces plantes grâce à des étudiantes qui étaient venues me voir pour les aider à préparer un concours. Elles voulaient trouver des plantes qui étaient capables de dépolluer. J'ai découvert l'existence des plantes que vous avez vues dans le Gard, donc qui extraient le zinc en quantité énorme. Et le déclic pour moi était une discussion avec un collègue écologue qui trouvait que ces plantes, en fait, étaient dangereuses. Dangereuses parce qu'on ne savait pas quoi en faire et il fallait surtout pas favoriser leur développement. Moi, je percevais ces plantes tout à fait différemment, je les trouvais extraordinaires. Et pour moi, le défi, ça a été de trouver une solution pour en faire quelque chose d'utile et montrer qu'au contraire, il fallait les aider à se développer, soutenir leur développement, parce que c'était, je veux dire, une découverte inouïe pour réhabiliter ces sols complètement contaminés, alors qu'on est complètement dépourvu de solutions acceptables. Donc ça passe aussi au départ par un changement de perception, de regard sur l'objet étudié. Je voudrais une réaction de Brieux Saffré, parce que c'est une approche d'une certaine manière de l'économie circulaire ou de la chimie circulaire, parce que Claude Grison va au bout du processus. Hein, on ne s'arrête pas à produire un... C'est formidable de dépolluer des sols, mais enfin, si c'est pour produire un déchet intermédiaire, le processus n'est pas complètement abouti. Et donc, je voulais avoir ta réaction sur cette forme de circularité, peut-être qui sort un peu des sentiers battus quand on pense économie circulaire. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Je connaissais les travaux de Gilles Burban qui étaient plus sur l'aspect mycorémédiation, donc avec... l'utilisation des champignons pour dépolluer des terres. Et là, on est plus sur l'ordre du végétal, donc un autre règne. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, un grand bravo, Claude. Je découvre vos travaux aujourd'hui même. Timothée Kellard, je sais que chez Ecodev, le lien entre entreprise, économie, biodiversité, sol pollué, approche régénérative, ça fait partie de vos grands chantiers d'action et de travail. Une réaction sur les travaux de Claude Grison et de Bioinspire? Oui, alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'on peut adresser, je pense qu'à titre personnel, effectivement, je suis assez impressionné, parce que je suis ingénieur de formation. Vous citez beaucoup Léonard de Vinci, et c'est une école que j'ai beaucoup pratiqué, et j'étais au regret dans cette formation il y a 15 ans, un peu plus maintenant, d'entendre beaucoup de démarches qui poussent l'homme à maîtriser la nature et maîtriser son environnement, alors que là, on voit qu'on a complètement inversé la tendance, et j'ai eu des témoignages là, cette semaine dans la Biomime Expo de jeunes qui trouvaient des formations autour de ces sujets de biomime, on va dire biomimétisme de manière générale. Donc bravo, et effectivement, c'est assez fascinant, puisque sur ces 10 dernières années, on a accompagné un certain nombre d'employeurs et d'entreprises sur les sujets de biodiversité, avec des étapes clés d'analyse et de réalisation d'état des lieux sur des sites industriels, tertiaires, peu importe. Et souvent, je constate que
Effectivement, le sujet des polluants est extrêmement présent à la fois dans les sols, et on le sait, ils sont extrêmement dégradés, mais aussi dans les nappes phréatiques. Et moi, je suis assez surpris de voir à quel point les nappes phréatiques françaises sont assez abîmées. Donc, bravo, voilà. Merci Timothée. Une autre question pour vous, Claude, et qui fera peut-être réagir Léa. Est-ce que, je pense notamment à l'exemple en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça a été aussi l'occasion d'impliquer la population locale et de créer aussi une boucle vertueuse locale, économie locale, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais quelle a été l'articulation avec les parties prenantes locales ? Oui, c'est une question très importante. On est très soucieux de ces aspects-là. Et bien sûr, toutes les activités qu'on a développées en Nouvelle-Calédonie n'ont été possibles qu'avec la participation des acteurs locaux, de la population locale. On a une antenne de notre laboratoire qui est présente en permanence sur place. On a noué des liens forts avec une partie de la population. Et pour moi, c'est toujours un bonheur de pouvoir y retourner. Donc, il est effectivement très important, même fondamental, en fait, de ne pas se sentir en terrain conquis, mais de bien se souvenir qu'on arrive sur un autre territoire, on n'est pas chez nous, on est là pour apporter nos compétences, notre volonté, nos connaissances, mais bien sûr la participation de la population et des acteurs qui sont présents sur le territoire est fondamentale. Alors, est-ce que ça aura un développement économique ? On essaie, bien sûr, de le développer, même si le contexte sanitaire actuel n'est pas très favorable. Je ne sais pas, Léa, si ça t'évoque des choses. Je te laisse réagir. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup. C'était en effet passionnant. Et on voit beaucoup, en effet, avec toute la géo-ingénierie, des apprentis sorciers qui veulent aussi, par exemple, réguler le climat en disant « on va mettre… » on va mettre des aérosols, etc., sans forcément justement aller au bout de la chaîne de valeur sur quel est le déchet. Et en effet, je salue tout le travail d'aller vraiment dans la circularité et au bout du système pour justement utiliser ces innovations à bon escient. Et en effet, moi, je me demandais sur les territoires dans lesquels vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des défis que vous rencontrez sur l'implémentation de ces solutions ou sur l'utilisation est-ce que, même d'un point de vue économique, est-ce qu'il y a des intérêts économiques qui font que ça peut être bloquant dans la diffusion justement de vos solutions, ou est-ce que vous allez est-ce qu'il y a ces défis là aussi qui parfois rentrent en compte, parce que quand on parle de médicaments moins chers par exemple, c'est hyper important et intéressant en termes d'accessibilité, c'est pas forcément dans l'intérêt de tout le monde, et du coup c'est aussi comment on arrive à développer ces solutions en bonne intelligence avec les acteurs économiques pour qu'elles soient pas des barrières. C'est aussi un beau défi pour vous. Alors donc oui, je peux répondre assez facilement à ces questions. On n'a pas de difficultés particulières dans ces territoires. Au contraire, là, on travaille sur un projet similaire en Polynésie française et les acteurs économiques locaux ont réagi positivement tout de suite. Il y a eu vraiment un enthousiasme autour de cette démarche. Eh bien, on va continuer tout simplement ensemble. Donc moi, je ne ressens pas de difficultés particulières, mais bien sûr, ça demande un effort pour nous d'adaptation, de bien comprendre les enjeux locaux, de développer toutes ces activités localement qui ne sont pas forcément celles qu'on avait anticipées. Donc, on a besoin de s'adapter nous-mêmes, à chaque fois au contexte local qui n'est jamais deux fois le même. Mais c'est extrêmement enrichissant, c'est motivant. Et puis, maintenant, on a BioInspire avec nous, donc qui nous aide aussi, qui nous conseille dans des choses pour lesquelles on n'est pas forcément, bien formé et tout ce qui est effectivement mieux appréhender un développement économique prospère et peut-être ne pas faire de maladresse dans des secteurs un petit peu plus commerciaux et juridiques qui sont moins les nôtres. Donc avec, je pense, un bon environnement, tout ceci pour moi est actuellement positif. Brieux Saffray, Circulab, tu nous invites souvent à passer au circulaire. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques éléments de définition et de tendance en matière d'économie circulaire et d'évolution des mentalités, et peut-être en commençant par, dans le prolongement des travaux de Claude Grison, nous dire un petit peu en matière de chimie et de ressources lourdes, entre guillemets, comme ça, si ça fait partie des tendances de l'économie circulaire, ou est-ce qu'on est encore beaucoup sur de l'économie circulaire autour des matériaux, plastiques, métaux, des choses comme ça. Enfin, quel est, si tu peux nous faire un petit peu un paysage et une actualité sur l'économie circulaire. Avant d'aller plus loin, on va peut-être rappeler ce qu'on entend par économie circulaire, parce que justement, il y a certains chercheurs qui ont
qu'on dénombrait plus de 114 définitions officielles de l'économie circulaire. Donc chacun trouve un peu midi à sa porte. Moi, je pense qu'il est essentiel déjà de rappeler qu'il y a trois principes. Hein. C'est déjà la sobriété dans le choix des ressources. C'est souvent un aspect qui est oublié parce qu'on privilégie souvent le second aspect qui est l'efficience de l'utilisation des ressources. Donc on rappelle souvent les trois R, réutiliser, réparer, recycler. Mais encore une fois, le premier R, réduire au maximum son utilisation de ressources, ça reste la première chose à faire. Et enfin, on peut aller sur un dernier R finalement qui est la régénération, régénérer les écosystèmes vivants et les écosystèmes humains, même s'il n'y a pas vraiment de distinction, mais on peut parler d'organisation territoriale, etc. Donc ça, c'était un simple rappel qui me semble parfois utile. Et moi, je n'ai pas forcément de spécialisation sur la chimie, je n'ai pas d'exemple précis là-dessus, mais ce que je vois de plus en plus, et ce qui m'intéresse, c'est que il y a quand même de plus en plus de ressources qui ne sont pas désirées par des acteurs économiques, quels qu'ils soient, et qui sont de plus en plus considérés et utilisés. Moi, je suis basé à Nantes. Je vois une entreprise depuis quelques années qui se développe, qui s'appelle Bateau, qui récupère, par exemple, tous les bateaux de plaisance, les voiliers, qui ont plus de 30-40 ans, que ni les propriétaires, ni les metteurs sur le marché, et ni la collectivité ne veulent revaloriser, puisque ça coûte 2-3 000 euros pièce. Et cette entreprise-là fait un petit peu de hacking. Elle retourne les contraintes en opportunités, finalement, un petit peu comme Claude le fait, et elle transforme ses bateaux en habitat atypique, et elle réutilise une des fonctions, finalement, de ces bateaux, qui est l'hébergement, pour leur donner une nouvelle vie à terre. Donc ça, c'est un simple exemple qui me fait un peu penser au principe de fonctionnement du vivant. Alors ça, on est sur une forme de réappropriation, de changement d'usage. Tu pourras prolonger ça. Je repose ma question tout à l'heure différemment, pardon. Mais encore une fois, pour faire la continuité, est-ce qu'on va pouvoir, comme l'a démontré Claude, de plus en plus réussir à combiner des approches régénératives et circulaires? C'est-à-dire que de temps en temps, on a le sentiment que le circulaire, c'est réutiliser des déchets qui ont été produits. Là, on est sur une approche qui combine deux choses en même temps, qui à la fois régénère, dépollue et qui recrée une matière première pour un cycle industriel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux observer toi aussi de ton côté? Ouais, tout à fait. Là, effectivement, on retombe dans le domaine de la chimie. Il y a une entreprise du côté du sud-ouest de la France qui s'appelle Toopi Organics, T-O-O-P-I, qui justement s'est mis pour objectif ambitieux de revaloriser 300 millions de litres d'urine chaque année en France. Autant vous dire que c'est un objectif extraordinaire, c'est quand même 10% de nos urines. Et justement, pourquoi c'est assez extraordinaire? C'est que en revalorisant ces flux, non seulement ils peuvent rendre ces ressources non désirées et surtout très impactantes. Hein. Timothée a évoqué les rivières, les nappes phréatiques, etc., qui étaient impactées par le rejet, notamment de ces urines et le traitement. Et bien là, en fait, ça évite tout ça, tous ces problèmes-là, mais en plus, il rend cette urine accessible aux agriculteurs et ça permet d'éviter l'extraction de matières assez précieuses, hein, comme le phosphore, etc., qui viennent probablement, enfin, la plupart du temps, du Maroc ou de Russie. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en analysant de plus près ces urines, ils se sont rendus compte qu'ils avaient certaines molécules qui pouvaient être revendues, si vous voulez, à l'industrie pharmaceutique. Donc, en fait, il y a un potentiel infini quand on commence à creuser un sujet aussi évident que l'urine. C'est juste changer de point de vue sur ce sujet-là. Écoute, un grand merci Brieux pour ces prospectives et cette vision réjouissante. On apprend des chiffres vraiment intéressants et en plus quand on les projette sur de l'usage pharmaceutique, franchement, on est heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui. Non, je rigole. Mais effectivement, nous sommes aussi des producteurs
de ce qui peut être une matière extrêmement intéressante en matière de dans différents domaines d'application. Timothée Keller, peut-être une réaction, parce que on a à plusieurs reprises déjà parlé avec toi de qualité des sols, d'aspects régénératifs, la réintégration d'éléments autour de la biodiversité dans des cycles économiques. Claude Grison l'a rappelé, il faut un modèle économique pour avoir des approches de type régénérative et d'économie circulaire. Oui, alors je voulais rebondir sur l'exemple de Brieux, parce qu'il se trouve que le hasard fait qu'on accompagne Toupi, donc cette start-up, aujourd'hui, pour les aider à objectiver un certain nombre de points, entre autres le sujet de l'empreinte carbone associée à leurs produits finaux, qui sont des biofertilisants versus des fertilisants plutôt de synthèse. Donc c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ils arrivent à réfléchir différemment et donc intégrer ce vivant, parce que c'est des bactéries qui vont utiliser leur capacité à détruire finalement tous les mauvais produits qu'on peut avoir dans l'urine et qu'on retrouve dans l'eau, pour les remplacer par des plus vertueux, on va dire, si je simplifie le raisonnement. Et donc voilà, donc on voit aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui vont au-delà de la réutilisation et de la revalorisation et qui permettent d'avoir des modèles économiques. Je l'aurais dit souvent et que Toupi fait partie, je pense, des top 3 de ces dernières années dans les innovations sur le sujet de l'économie circulaire, à mon sens. Mais pour répondre à la question, oui, en fait, d'où on part, peut-être, moi, ça fait 11 ans qu'on accompagne des employeurs dans la dynamique RSE de manière générale, avec historiquement un cloisonnement entre le monde du climat, du carbone et de la biodiversité ou du vivant. Et donc, du coup, on a bien vu là depuis quelques années que ces deux mondes se réunissent, parce qu'on ne peut pas parler d'adaptabilité aux enjeux climatiques sans comprendre que notre écosystème doit aussi s'adapter, donc le vivant autour de chez nous, finalement. Et donc notre métier et où les initiatives qu'on essaye de porter de plus en plus, c'est à la fois finalement de prendre conscience que toutes les activités humaines et quelque part toutes les activités économiques ont un impact plus ou moins important sur cette histoire, on va dire, de biodiversité de manière générale ou du vivant, pour autant que possible le monitorer, donc mettre en place des indicateurs. Alors, c'est très difficile de mettre en place des indicateurs biodiversité, on est tous conscients de cette situation, mais il n'empêche que ce n'est pas pour autant qu'il faille pas essayer de mettre en place des outils de mesure. Donc accompagner ces outils de mesure, c'est croiser des données qui sont complexes pour voir quel est l'impact sur un monde économique ou une activité d'une entreprise, et autant que possible arriver sur l'objectif final, qui est de démontrer que de prendre en compte ces indicateurs a une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée passe par un certain nombre d'actions qu'il faut déployer. Je te laisse continuer, je t'appuie du regard comment les entreprises perçoivent de plus en plus économiquement cette valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, elle peut être aussi en image, en attractivité, marque employeur, etc. Mais du point de vue vraiment économique. Alors, clairement, au départ, et on est encore sur des sujets quand même dans la majorité, donc là, on est dans un milieu de convaincus et très convaincants d'ailleurs, mais on va dire de connaisseurs du sujet et déjà de convaincus. Nous, notre métier, c'est d'arriver à aller convaincre des entreprises qui sont très loin de ces sujets et qui se posent encore la question d'ailleurs de la nécessité de faire une empreinte carbone ou d'intégrer ces critères. Donc on a différents métiers et différents accompagnements, et pour arriver à la résultante, enfin à la conclusion, c'est que oui, on a des actions très opérationnelles qui sont implanter des ruchers, des potagers, des aménagements pédagogiques, je dis bien pédagogiques. L'idée, c'est d'arriver avec un point d'entrée qui est très superficiel peut-être sur les enjeux de biodiversité, mais qui est extrêmement, intéressant en termes de valeur, communication, team building, lien social, qualité de vie au travail, genre de choses. Donc ça, c'est le premier point d'entrée pour arriver dans un second temps à finalement arriver à des actions beaucoup plus efficaces, comme par exemple prendre l'histoire des pollinisateurs des abeilles pour arriver à expliquer que des surfaces de plusieurs hectares sont à régénérer parce que la compétition alimentaire existe, mais s'il y avait suffisamment de nourriture, on n'aurait pas ces problématiques de compétition. Donc on part d'un point qui est assez symbolique pour les spécialistes de biodiversité pour arriver à des projets beaucoup plus ambitieux. Je vais en prendre deux, j'aurais fini sur mes propos. C'est de dire on va pouvoir régénérer un certain nombre de sols parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'espaces, friches, anciens sites industriels, sièges sociaux sont assez gérés, on va dire, basiquement sur ces sujets, avec peu d'espèces de plantes et peu de végétation. Et là, rien ne nous empêche, finalement, au lieu d'avoir 2, 3, 4 espèces, d'en avoir 25, 30, bien évidemment, des plantes locales, endémiques, et essayer de reconstituer cet écosystème, en toute humilité, parce que
c'est pas mince, on va dire, à faire comme sujet. Et dans un second temps, c'est d'aller jusqu'à un impact positif, c'est-à-dire recréer ou redonner un écosystème finalement ou un biotope avec des aménagements, des zones humides et utiliser des surfaces qui vont se valoriser. Et un propriétaire aujourd'hui a bien compris que son site a une valeur frontale qui est liée à son activité au quotidien et une valeur qui va être capitalistiquement plus intéressante si elle n'est pas dégradée dans le temps. Et je finis sur un dernier exemple, c'est les modèles agricoles parce qu'ils ont été cités. On sait très bien qu'il y a le sujet des modèles agricoles et les transitions. Donc, on a un projet là, d'accompagnement d'un propriétaire de plus de 150 hectares qui a 3 agriculteurs où l'idée, c'est de passer d'un modèle agriculteur conventionnel à un modèle beaucoup plus agroécologique ou, on va dire, inspiré quelque part de la nature, si on peut avoir ce vocabulaire pour l'agroécologie. Et ce manque à gagner, parce que cette transition va leur coûter 2, 3 ans, 4 ans de transition, donc de perte de rendement, pour démontrer qu'on va et qu'on a un impact biodiversité positif et qui pourrait récupérer des budgets finalement liés aux unités de compensation carbone ou compensation biodiversité, qui sont des modèles aujourd'hui qui arrivent avec une législation en France qui est assez récente, mais on se doit d'innover, de tester et d'accompagner, de tenir la main de ces propriétaires pour les transitions. Je voudrais qu'on rejoigne Léa, mais en repassant d'abord par Claude Grison. Léa, la question, ça sera sur la valeur ajoutée globale, y compris sociale, de ces approches-là. Claude Grison, sur les terrains, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans le Gard, est-ce que vous avez le sentiment aussi de participer à leur revalorisation et à participer aussi à une forme de réattractivité et la reconstitution d'une fierté d'appartenance locale. C'est-à-dire, on n'est pas toujours très fier d'habiter sur une région polluée. Oui, bien sûr, c'est vraiment une question importante aussi. Et donc, c'est quelque chose qu'on a dit d'entrée quand on a commencé à travailler dans le Gard. C'est vrai que donc le village où on a travaillé était qualifié, oui, bien sûr, d'un ancien passé, avec cet ancien passé minier, ses pollutions actuelles. D'un village plus attractif, mais nous au contraire on a bien mis en évidence que c'était peut-être l'inverse qu'il fallait voir. C'était un site unique où des plantes absolument extraordinaires en fait s'étaient développées et il y avait une richesse en termes de biodiversité qui n'est pas fréquente en Europe. Et déjà faire valoir l'existence de ces plantes, les aider à se développer et montrer finalement que ce village avait un village pilote en fait dans un vaste programme de restauration écologique, effectivement a changé un petit peu la perception du domaine. En tous les cas, nous on le perçoit d'une façon positive et on espère que les gens qui nous écoutent le perçoivent également de cette façon-là. C'est une belle expérience, c'est plus un village qui a été pollué, c'est un village vraiment où on peut montrer que des approches bio-inspirées sont extrêmement motivantes et qui vont peut-être bien inspirer d'autres. Oui, absolument, c'est assez fondamental. Peut-être Léa, une réaction sur cette idée de valeur ajoutée globale, c'est-à-dire sociale, écologique, économique. Avec ton micro, s'il te plaît, Léa. Merci. Donc peut-être rapidement pour me représenter, donc moi je pilote une association qui s'appelle Make Sense, qui travaille avec à la fois des citoyens, des entrepreneurs et des organisations pour construire ensemble une société durable et inclusive. Et d'ailleurs on a investi dans Toupie, donc assez rigolo, c'est pour refaire la boucle. Et en effet aujourd'hui un des constats qu'on voit sur la question notamment de comment on construit une société qui est à la fois durable et inclusive, c'est comment on rapproche la question sociale de la question écologique et comment on évite d'opposer la fin du monde avec la fin de moi. Et on voit que les approches de circularité et les approches qui sont notamment bio-inspirées, elles vont prendre en compte cette dimension parce qu'on recrée des systèmes qui sont pertinents à l'échelle locale et qui du coup vont recréer des emplois, vont recréer un sens et un rôle pour chacun d'entre nous. Et en même temps qu'on limite, notamment pour tout ce qui est par exemple agrologie et chaîne agroalimentaire, vu qu'on en parle pas mal, notre dépendance à la pétrochimie, c'est aussi comment on recrée de la résilience et de l'indépendance et de la souveraineté sur des territoires en même temps qu'on crée des emplois et qu'on crée de la valeur et qu'on évite le fait de dire aujourd'hui le progrès se fait sans l'inclusion d'un grand nombre de la société, se fait au bénéfice de 5 à 10% parfois au mieux de la population mondiale qui va profiter du progrès technique et qui du coup n'est pas une solution en soi. Et donc tout l'enjeu quand on parle de société durable pour l'intégralité des êtres
vivants et pas seulement des humains de notre planète, c'est aussi justement de pouvoir inclure ces questions sociales sans quoi il n'y a pas d'acceptabilité, sans quoi il y a de la violence qui se crée, il y a des points de rupture, alors qu'en réalité, c'est les populations les plus vulnérables qui sont aussi les plus sujettes à ces problématiques-là. On parle de la Nouvelle-Calédonie. Demain, la montée des eaux, c'est un des premiers territoires français qui sera notamment submergé. Donc, et alors que c'est aujourd'hui le cœur de la biodiversité. Donc, en effet, comment on replace aussi ces questions d'inclusion, c'est assez essentiel. Et ce qui est génial dans tout ce qui est bio-inspiration, biomimétisme, c'est que par nature, par la circularité aussi des démarches, on arrive vraiment à le faire. Et alors, est-ce que vous avez une ou des méthodes particulières chez Make Sense pour évaluer les projets sur ces impacts globaux aux différentes phases de développement? Enfin, comment est-ce que justement vous repérez et accompagnez et peut-être aiguillez les projets pour les rendre tout simplement les plus impactants possibles? Et c'est très important ce que tu viens de dire sur tout au long de la durée du projet, parce que souvent, en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont envie de s'investir, qui ont envie de faire des projets à fort impact et porteurs de sens. Sauf que, et comme le rappelle très bien le Shift Project, il y a plein d'innovations qui, quand on les voit sur une chaîne de valeur, enfin, on voit uniquement le projet ou le service, il fonctionne très bien, mais quand on regarde comment il va être produit et comment il va être traité en fin de vie, là, l'impact positif n'est pas du tout présent. Donc, tout l'enjeu, nous, on a des grilles où on va en effet regarder la profondeur de l'impact, l'accessibilité, enfin, tous les aspects, notamment environnementaux, mais on va aussi regarder quelle est l'accessibilité des produits, des services. C'est le cas pour que ce soit pour la santé, pour l'éducation, pour la consommation, de toujours regarder, encore une fois, comment on arrive à prendre en compte cette dimension sociale et accessibilité. Et on ne le fait pas du tout. Nous, on est présent dans une centaine de villes du monde et notamment, on a des bureaux dans 5 pays. La question de l'accessibilité en France et la question de l'accessibilité au Mexique, ce n'est pas du tout la même. Ou encore aux Philippines, ou au Sénégal, ou au Liban. Parce qu'il y a des institutions étatiques qui ne sont pas les mêmes. Donc, l'idée, ça va toujours être aussi de mettre en perspective comment ces solutions-là s'intègrent au tissu économique, comment elles sont créatrices d'emplois, comment elles sont créatrices de cohésion sociale, comment elles sont durables pour la planète, mais aussi dans le temps. Et ça, nous, souvent, on voit que c'est très présent au démarrage des projets. Mais tout l'enjeu, c'est aussi que quand des projets acquièrent du capital, des investisseurs, ils gardent cette dimension impact et cette dimension un petit peu 360 et valeur globale, comme tu le dis, tout au long du projet. Et là, c'est hyper important qu'il y ait aussi des investisseurs qui soient présents dans le capital de ces entreprises pour défendre ce projet de société tout au long de la durée de vie et que le bénéfice court-termiste, parfois, ne prenne pas le dessus dans la stratégie de développement d'entreprise, dans le choix des fournisseurs, dans aussi la politique RH. C'est-à-dire qu'on va aussi regarder la cohérence et de se dire tous ces projets-là, s'ils veulent... pour moi, il y a un besoin aussi d'exemplarité. On ne peut pas vouloir transformer la société en n'étant pas un petit peu cohérent en interne dans son projet sur sa politique salariale en termes de justement d'inclusion, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir... à la fois, on regarde le produit et le service, mais on regarde aussi... fournisseur, fin de vie, et on regarde aussi l'interne, comment ça fonctionne, en résumé. Merci Léa, on reviendra vers toi, mais je voudrais me tourner vers Brieux Saffré et Circula, parce que là, il est question aussi de cycle de vie, de process de développement, et d'une certaine manière, en amont, d'éco-conception. Et donc, comme il est difficile de détacher l'éco-conception de l'économie circulaire, est-ce que tu peux un petit peu nous faire un retour d'expérience sur le besoin que tu ressens encore à faire la pédagogie de l'éco-conception? Je t'entends régulièrement dire que c'est surtout en amont qu'on peut éviter de produire des déchets. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce point? Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, mais nous, chez Circulab, on a tendance plus à parler de design circulaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que 80% des impacts environnementaux d'un produit, ça se joue quand il est imaginé, quand il est conçu. Donc, cette étape de design, elle est fondamentale. Et effectivement, l'idée, ce n'est pas de designer uniquement pour l'utilisateur. Léa l'a bien dit, il faut bien sûr être le plus sobre possible en termes d'extraction et même plutôt, si on peut l'éviter, de choix de matière. Ensuite, en termes de production, on va peut-être utiliser des productions qui sont peut-être décentralisées, proches des lieux de consommation. Donc, ça facilitera aussi la distribution potentiellement, une utilisation qui soit optimale. Et puis surtout, on anticipe les autres usages, on facilite la réparation, le reconditionnement, éventuellement ce qu'on va appeler la refabrication, le fait de démonter les pièces d'un produit pour pouvoir refaire d'autres produits avec.
et enfin, éventuellement, le recyclage. Mais surtout, il faut bien penser toutes ces étapes-là. Et voilà pourquoi on parle de design circulaire, c'est-à-dire un design qui va être centré sur l'utilisateur, mais qui va prendre en compte également les besoins de l'écosystème qui va entourer cet utilisateur. Et donc, effectivement, il y a comme Léa l'a évoqué, il y a un côté impératif à s'adapter au contexte, c'est-à-dire qu'une solution qui peut être très pertinente dans une région, un pays, ne sera pas du tout pertinente parce qu'il n'y a pas les mêmes climats, les mêmes savoir-faire, les mêmes habitudes, tout simplement. Et donc, effectivement, cette notion de conception, elle est fondamentale. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Et pour compléter ce que disait Léa, chez Circulab, on a conçu une suite d'outils, mais il y a un outil qui est très utile pour justement évaluer les aspects économiques, sociaux, environnementaux d'un business model, quel qu'il soit. C'est le Circular Canvas qui permet vraiment à n'importe quelle équipe de dire, voilà, prenons du recul, pensons systémique, parce qu'effectivement, c'est le problème aujourd'hui, la plupart des gens, enfin nous tous, hein, on est formés pour penser de façon assez cartésienne, analytique, et donc on est beaucoup trop centré sur certains aspects. On a rencontré, par exemple, effectivement, beaucoup d'entrepreneurs qui disaient, voilà, on utilise des déchets et on fait un super produit. OK, mais que devient le produit après? Et donc, c'est toujours cette démarche d'anticipation qui est nécessaire. Et donc, voilà pourquoi je me permets d'inviter les gens à utiliser cet outil pour penser le plus possible de façon systémique afin d'éviter les erreurs de conception qui ne doivent pas exister, puisque dans la nature, il n'y a pas d'erreur de conception. Toutes les ressources non désirées d'un acteur deviennent des ressources pour d'autres acteurs. Merci beaucoup, Brieux. Je voudrais qu'on reste une ou deux minutes avec toi pour que tu nous dises un petit peu plus concrètement quels sont les grands secteurs d'activité dans lesquels vous avez plutôt tendance à intervenir. Le complément de question, c'est quels sont les grands secteurs d'activité où tu aimerais davantage intervenir et peut-être en l'illustrant avec un exemple ou deux sur la capacité à économiser du déchet justement dans ce design circulaire en amont, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Alors, on est souvent appelé par ceux qui doivent gérer les déchets, justement, parce que ils sont en fin de chaîne et ils sont un peu dans une situation difficile, dans le sens où ils doivent gérer, ils ramassent tout, quoi, finalement. Et on a, par exemple, accompagné une entreprise qui est spécialisée, par exemple, dans la fabrication et dans la mise à disposition pour les collectivités locales de bacs roulants. Et en fait, leurs clients, les collectivités, leur faisaient remonter des problèmes au niveau de la collecte des déchets encombrants, donc les vieux meubles, les matelas, etc. Et en fait, ce type de déchets générait beaucoup d'accidents du travail. Pour donner un exemple, en Île-de-France, les reapers, hein, donc ces gens qui vont collecter les déchets au quotidien, c'est 10 000 personnes. Chaque année, il y a plus d'une cinquantaine d'accidents graves à cause, entre autres, hein, de ces collectes d'encombrants. Un accident grave, attention, hein, c'est soit invalidant, soit mortel. Donc, on n'est pas sur des sujets vraiment anecdotiques. Et plus de 900 personnes sur ces 10 000 vont avoir des accidents du travail. Et donc, d'un point de vue social, déjà, pour les salariés, c'est catastrophique. Enfin, la moyenne en fin de retraite, enfin, en fin d'activité d'un reaper, c'est 42 ans, la moyenne d'âge. Vous imaginez bien toutes les conséquences physiques que ça peut avoir. Et puis, donc, en fait, aussi pour la caisse primaire d'assurance maladie, c'est des coûts énormes. Et donc, on a conçu avec cette entreprise-là une solution, une station mobile qu'on pouvait disposer, si vous voulez, dans les quartiers pour valoriser les encombrants et surtout faciliter l'échange entre les habitants, que ce soit pour réparer, échanger et surtout, éventuellement, si on ne peut rien faire avec, trier pour mieux valoriser. Et donc ça, on l'a fait en repartant de ce qu'on avait déjà à disposition ou qui était déjà utilisé, en repartant de conteneurs maritimes et en les transformant donc en stations mobiles. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait, par exemple.
Merci, très intéressant. Je voudrais une réaction de Claude Grison. Puis ensuite, on va vous présenter avec Christophe Sachs un projet un peu à la confluence de tout ça. Mais la réaction autour d'une question pour Claude Grison, c'est comment, entre guillemets, le monde des industriels et de la chimie réagit à votre approche? Est-ce que vous êtes en capacité à répondre à des enjeux de volume? Enfin, quelle est l'appétence culturelle de ce monde de la chimie pour cette drôle de chimie révolutionnaire que vous venez leur proposer? Oui, alors je crois qu'il ne faut pas être naïf. Et d'entrée, on s'était bien dit qu'un procédé sans intrants chimiques, 100% biosourcé, ne suffirait pas et qu'il ne fallait pas renoncer en fait, à la performance de nos procédés. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé en fait, sur la structure, l'efficacité de nos éco-catalyseurs pour prouver qu'ils auraient une valeur ajoutée également en termes de performance et en termes, je vais dire, de coûts économiques. Il est bien évident que ça doit accompagner également, je veux dire, le bénéfice environnemental. On avait bien tablé là-dessus, donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects. Donc c'est pourquoi on arrive à intéresser donc un certain nombre d'industriels de la chimie. Et maintenant, pour répondre à la seconde question en termes de volume, eh bien, en fait, je l'ai expliqué très rapidement lors de ma présentation, mais le fait d'avoir, je vais dire, accompagné en fait tous les gestionnaires des bassins versants dans leurs difficultés, je vais dire, à éradiquer ou même à contrôler la prolifération des plantes invasives, nous a amené finalement donc à récolter des quantités astronomiques en fait de ces plantes. Hein. On a récolté cet été, je vais dire, en un peu plus de 2 mois. Plus d'une tonne en fait de matériel végétal qui est en train aujourd'hui d'alimenter en fait nos filtres et qui sont la ressource qui va nous permettre en fait de faire nos éco-catalyseurs. Et pour que ces éco-catalyseurs répondent là aussi à une demande massive au niveau de l'industrie chimique, eh bien pareil, on a travaillé en économisant au maximum, je veux dire, la composition des catalyseurs dans les procédés pour que les consommations soient les plus faibles. Hein, donc il y a tout à l'heure un interlocuteur qui parlait bien de réduire les consommations. On a bien travaillé là-dessus, réduire donc la part utile du catalyseur pour que le procédé soit le moins gourmand en matière première. Donc, ce sont tous ces aspects sur lesquels on a travaillé pour intéresser, motiver l'industrie chimique. Donc, le bénéfice environnemental étant, je veux dire, le dernier avantage, mais il ne peut pas se suffire à lui-même. Oui, très important, effectivement, d'avoir des solutions écologiques et des réponses qui soient compatibles et éligibles par les acteurs du marché. On voulait profiter de ce moment passé ensemble pour que Christophe Sachs vous présente un projet qui s'appelle Gaillarta, qui est ni linéaire ni circulaire, qui peut être un peu fusionnel, je ne sais pas, entre différentes approches culturelles et méthodologiques. Merci Christophe de nous parler un petit peu de ce projet qui tourne autour d'un bateau qui invite à prendre le large, j'ai l'impression. Merci. Donc, recherche d'identité, c'est ça? Ni linéaire, ni circulaire. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici et un peu impressionné, mais très heureux. Je crois que tous ces concepts d'économie circulaire, de design régénératif, d'économie régénérative, sont des choses qui nous passionnent. Il y a un désir très fort et en même temps, on est souvent assez confus par rapport au possible. Donc de voir des intervenants aussi talentueux que ceux qu'on vient de voir et aussi spécialistes, c'est un grand plaisir. Et de voir aussi des exemples concrets à travers ce que fait Claude, c'est, je pense, très important. D'accord, donc je vous présente un peu Gaillarta, c'est ça un peu ce qu'on fait? Je mets le slide, d'accord. Donc, l'idée, c'est de vraiment, ça vient d'un désir, de dire, on est ici aujourd'hui, il y a une sensation qu'on veut arriver à créer un monde différent, et donc de lancer un voyage de reconnexion à nous-mêmes, à notre monde, pour vivre différemment et le partager. Le projet est parti autour de cette idée de créer un vaisseau de co-création, quelque chose qui soit fait ensemble, et qui puisse être un peu comme à l'image du One Planet Living, l'idée que cette Terre est dans l'univers, elle a des ressources finies, de voir sur Terre, dans ce qui se rapproche le plus d'un vaisseau spatial, un bateau, même si on a la générosité de la mer, de voir comment on peut arriver à être le plus en adéquation avec notre monde.
et d'utiliser bien sûr pour ça, ce qui nous paraît être la meilleure chance, c'est le biomimétisme. Donc de créer un bateau qui soit un espace de développement, où on puisse mettre en commun, rêver, essayer, prototyper ensemble, et après, à travers différentes missions, aller à travers le monde pour tester ces choses-là, les prouver et aussi les éprouver, les faire évoluer, et donc arriver à être aussi un espace d'inspiration et de reconnexion. Voilà. Donc, rien ne fonctionne sans une communauté. C'est très marrant, quand j'ai commencé ce projet en Australie, je visualisais vraiment le premier grand challenge qu'on s'était fixé, et le moment où il y avait cette idée de réussite, c'était le moment où on lâchait les amarres, on partait à l'aventure, et puis bien sûr réussir ce challenge, on s'est tellement projeté sur ça. Mais en fait, la vraie aventure a commencé à partir du moment où il y a des gens qui ont rejoint le projet, des volontaires de tous les pays du monde, de toutes les couleurs, de tous les horizons, de tous les différentes aussi croyances, avec en commun un désir d'essayer des choses différentes, de pouvoir donner une chance à un rêve. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse changer le monde si on n'en fait pas l'expérience, si on n'apprend pas à le connaître. Et bien sûr, c'est une quête sans fin. Et la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que c'est essentiel pour avoir une vision systémique et vraiment changer bien les choses. Et en même temps, on est pressé par le temps. De façon plus concrète, le premier voyage, cette première grande mission à travers laquelle on peut se projeter, s'appelle Children of the Tide, les enfants des marées. Et c'est l'idée de faire une mission qui partirait de Venise vers Sydney, qui travaillerait sur la question de la montée des eaux et qui proposerait, en fait, un peu comme une image poétique d'une bouteille à la mer, de créer une œuvre d'art qui partirait donc de Venise à Sydney, de travailler avec les communautés qui sont impactées ou vont être impactées par la montée des eaux. Et comme une image poétique, donc de cette bouteille à la mer à travers leur temps, de leur demander d'écrire, aujourd'hui, leur message pour le monde. Comme si les générations de demain pouvaient parler aujourd'hui. Donc demander aux enfants d'aujourd'hui d'écrire leur message pour le monde. Et en arrivant à Sydney, de dévoiler cette œuvre qui sera faite en fait sur les voiles du bateau, les voiles actuelles, puisqu'on va changer avec des voiles bio-inspirées. Et en arrivant à Sydney, ce sera l'occasion d'une conférence avec des scientifiques et des diplomates aussi de ces différentes communautés, beaucoup de ce qu'on appelle de Small Island Community. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on arrive à lancer la concrétisation de ce bateau. Et donc, on est très heureux d'avoir lancé en fait le premier élément qui sont la source principale d'énergie sur le bateau, qui sont les voiles. Donc, on a voulu s'inspirer des ailes de libellules qui nous ont apporté différentes capacités en fait, à intégrer des films photovoltaïques. Ça, c'était l'image un peu de concept. Et puis, on a une image ici un peu plus réaliste, qui est vraiment le prototype qu'on est prêt à réaliser maintenant. On a aujourd'hui un besoin de transition, c'est-à-dire de faire en sorte que cette idée qui est engageante de ce rêve, de le garder en vie, de lui apporter de la sève, et donc de le concrétiser. On a donc développé cette voile avec des experts de la voile, des experts dans le photovoltaïque, et quand on a trouvé comment l'intégrer au niveau de ses formes, on a voulu aller plus loin et proposer à la 8e pirogue, qui est une initiative de l'archipel des écoles bioéthiques de France, auquel tu as beaucoup contribué, afin de pouvoir opérer une partie qui nous paraissait excitante, qui était la question d'un design régénératif. Qu'est-ce que c'est qu'un design régénératif ? Et qui partait peut-être de l'énergie première, qui est de se dire, s'il y a une chance d'un design régénératif, de passer d'une empreinte négative à une empreinte neutre qui devienne régénérative, on doit le tenter. On se doit d'essayer ce voyage. Donc on a trouvé différentes choses qui sont un début de perspective. Je suis désolé, je suis totalement sèche. Et il n'y a plus d'eau. Merci l'équipe. Pour faire simple et concis, ce qui apparaît évidemment devenir régénératif, c'est d'avoir un point positif, un impact positif au cours du cycle de vie de façon très large, mais beaucoup à travers ce qu'on appelle les services écosystémiques.
comment on peut arriver à rendre des services à l'écosystème à travers lequel on, pardon pour le micro, on vit et on voyage. Je pourrais rentrer en détail, mais j'essaye de ne pas trop monopoliser. C'est très complexe d'arriver à ressentir cette idée de design régénératif, mais peut-être on peut l'imaginer un peu différemment. Peut-être on peut l'imaginer un peu différemment. Si on arrivait à concevoir que tout ce qu'on crée, que ce soit une idée, que ce soit un bâtiment, que ce soit un vaisseau, que tout ce qu'on crée en fait devienne le facilitateur, le point fertile qui nous permette d'explorer les opportunités de relation avec notre environnement. Et ces opportunités de relation à travers les services qu'on rend à notre environnement. Comment on peut se mettre au service de notre écosystème, de notre monde. Et peut-être, c'est mon humble contribution à cette discussion aujourd'hui d'économie régénérative, est-ce que ça peut être l'idée de dessiner le vaisseau économie dans cette idée-là? Voilà. C'est peut-être une contribution humble et c'est tout son honneur, mais assez fondamentale parce que je voudrais que les uns et les autres réagissent. Alors je ne sais pas qui en particulier, levez grand la main pour que la régie vous passe le micro, mais Christophe nous a quand même invité d'une certaine manière, vivre le monde pour mieux le ressentir, le partager. Est-ce que les uns et les autres, vous voulez réagir à cette idée que plus on se reconnectera au monde, plus, j'ai presque envie de dire naturellement et mécaniquement, on aura envie de le régénérer et d'être dans des approches vertueuses? Est-ce qu'on manque de monde pour pouvoir se préoccuper du monde? Alors moi, je veux bien réagir, effectivement, merci. Déjà, je vais prendre un cas personnel, c'est-à-dire qu'il y a 11 ans, quand j'ai monté EcoDev, une des premières rencontres qui m'a beaucoup marqué et qui m'a positionné sur le sujet de la biodiversité de manière affective, on va dire, c'est un chaman qui vivait au fin fond de l'Amazonie et qui est venu en Europe et qui cherchait à toucher le sol chez nous en sortant de l'aéroport et qui ne voyait pas de terre et que du bitume et qui ne comprenait pas comment on vivait dans un écosystème aussi artificialisé. Et la deuxième chose qui m'a marqué avec lui, c'est qu'il me disait qu'il connaissait 3 à 4 000 plantes différentes et les usages associés dans sa communauté à ces plantes pour les soigner, les nourrir, etc. Et donc, je me suis posé la question après, est-ce que mon pharmacien du coin de la rue est capable de me décrire 4 000 médicaments de mémoire comme ça, sans ordinateur? Bah, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que quand on a des chocs comme ça culturels et de rencontres entre des gens très pragmatiques, ingénieurs et des artistes, c'est génial parce que ça permet de montrer déjà une chose, c'est que chaque humain est assez différent dans sa vision et dans sa volonté d'agir. On a tous un fond, je pense, un bon fond, quelque part, comme on dit, mais on voit bien qu'en fonction de notre éducation, de notre, on va dire, société et notre culture, on n'a pas conscience ou pas, et c'est important d'avoir du coup plein de créativité autour de ces sujets. Et donc moi, je salue cette initiative qui est très, on va dire, artistique en même temps. Et je le vois dans notre quotidien où on accompagne quand même des entreprises assez classiques hein, en termes de management, où on voit que les salariés ont du mal à être connectés avec la politique et la vision de leur employeur. Donc, ça me permet quand même de clarifier un point, c'est que là, on est je pense, tous inspirés, je ne sais pas si inspirants, mais en tout cas inspirés les uns des autres, c'est sûr, et de se poser la question quand on en parlera peut-être en fin d'année, là, à Noël, par exemple, autour de la famille, est-ce que vraiment autour de nous, la majorité des gens comprennent ces notions de biomimétisme? Oui, alors est-ce qu'il le déploie et le vit vraiment? Je ne suis pas convaincu encore. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie, de vision à donner extrêmement importante. Et le dernier point, et après, je refinis sur ma partie, mais je voulais reprendre le point de Léa, quand même sur les sujets de gouvernance ou même de Claude sur l'alignement. Je pense que c'est extrêmement important de mettre en avant tous les nouveaux systèmes de gouvernance partagée et de formats aussi qui permettent d'aller jusqu'à cette co-construction, qui s'inspire beaucoup d'ailleurs. Hein, quand on fait un organigramme de gouvernance partagée, on est vraiment sur un organigramme à plat et qui permet aussi de dire qu'on peut faire une comparaison entre chaque personne est une cellule et chaque cellule fait un organe et chaque organe va construire quand même un corps beaucoup plus complet et plus puissant. Donc le 1 plus 1 fait 3 et pas 2. Donc ça me paraît important. Et aussi le dernier point qui est la gouvernance quand même, parce que c'est génial tout ce qu'on dit, c'est hyper, hyper voilà, pour partir en week-end de bonne humeur, c'est chouette, mais il faut quand même avoir en tête qu'on est dans un monde capitalistique qui a quand même en haut de la pyramide des leviers, on va dire, des verrous à faire sauter, et cette gouvernance, elle est importante de l'appliquer à soi-même dans ces nouveaux projets, et donc de toujours imaginer que notre ego et notre pouvoir de décision, on va dire, doit être autant que possible dilué sur la masse ou la majorité des gens, parce que
voilà, il faut éviter de reproduire ce qui nous amène à la situation actuelle qu'on connaît tous. Voilà, merci et bravo pour ce bateau. Je serais ravi de faire partie du premier ou des premiers équipages à l'occasion. Ben, génial, voilà. Timothée, merci. Viens. C'est aussi vraiment un des points et c'est... Je suis impressionné, je suis touché de la diversité des gens, à quel point chacun a sa couleur à apporter à ce grand tableau. Chacun a sa partie magique. Tout le monde fait de son mieux, en fait. Et voilà, c'est une grande invitation à venir rejoindre le mouvement. On ira, on va se retrouver, on va être très nombreux sur ce bateau, hein, Christophe. Je crois une réaction de Brieux, s'il te plaît. Oui, tout à fait. On parle souvent en fait de la Renaissance comme une période assez extraordinaire, mais le début de la Renaissance a été assez violent. Et en fait, je pense que cette époque-là, il y a pas mal de gens qui viennent à le penser, et je vais faire le lien avec ce qu'on dit juste après, mais il y a une pensée fondamentale qui a provoquer aussi cette nouvelle pensée, c'est le fait que l'homme découvre que la planète Terre n'était pas au centre de l'univers. Et je pense qu'on est aussi à la fin de cette période-là et qu'on est peut-être tout juste en train de se rendre compte en tant qu'espèce humaine qu'on n'est pas le centre de la Terre. Que comme le disent pas mal, assez bien les astronautes, notamment Jean-François Clairvoy dans ses interviews, il dit voilà, on est membre d'un vaisseau spatial au même titre que n'importe quelle espèce humaine, enfin animale, végétale. Et je pense que la prochaine civilisation, c'est celle qui aura compris que en fait, l'homme effectivement fait partie du vaisseau et à aucun moment on est dans le cockpit. C'est juste qu'il faut faire en sorte qu'on ne soit pas centré, mais vraiment beaucoup plus ouvert sur les autres espèces et faire en sorte que bah, tous ensemble, on évolue et qu'on fasse preuve de plus de solidarité. Et donc, je trouve que les exemples de conception de Christophe s'inscrivent vraiment là-dedans. C'est, on va s'inspirer d'autres espèces, mais en plus, eh bien, on apporte une brique de façon à ce qu'on évolue tous dans le bon sens. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que tu dis et ce que disait aussi Timothée quand il parlait des cultures chamaniques. En fait, c'est super intéressant quand on vient dans un événement comme ça, ce qui n'est pas mon habitude, on se présente. Bonjour, je suis Christophe, tarara. Tout de suite, ça nous met dans... C'est nécessaire, c'est essentiel, et en même temps, c'est complètement limitant. Si je parle et j'exprime que je suis photographe, je vais parler d'après ma casquette de photographe. On va m'écouter d'après cette perspective. Dans certains endroits où j'ai été autour du monde, il se présenterait différent. Il dirait, bonjour, je m'appelle Christophe Sachs, je suis le fils d'Emmanuel Sachs et de Dominique Mouchet. Je viens de tel endroit. Et qu'est-ce que ça fait, à part que j'ai l'air d'un complète hippie, ça veut dire que je rends honneur à mes parents, je rends honneur à une lignée de vie qui m'a amené ici, mais ça me replace dans le cercle du vivant. Les atomes de ma main sont sur cette planète depuis des milliards d'années. Peut-être il y a 10 000 ans, certains atomes de ma main étaient une goutte d'eau dont faisait partie Alain, en haut de l'Himalaya. Il y a cette lignée, il faut sortir de cette finitude de l'humain. Ce que j'essaie de dire, et peut-être je n'exprime pas de façon très, très compréhensible, si je suis juste dans la façon dont on se perçoit souvent, je ne me souviens pas de ma naissance, ma mort, je ne veux pas y penser, et donc je suis dans ce corps aujourd'hui, dans ces vêtements, j'ai un rôle, etc. Et donc ma vie, elle est assez, en fait, sur les préoccupations présentes. Donc comment arriver à extrapoler ça? Et si on repart même sur le principe du biomimétisme, qui sont les formes, le processus et la partie écosystémique, dans les formes, je suis vivant, je respire, j'ai mon sang qui flue, comme n'importe quel être vivant. Dans le processus, je viens de la matière vivante, de ce que j'ai mangé. Donc je suis matière vivante et je suis dans le vivant, un parti écosystémique. Donc si on repart là-dedans, pour moi une des questions essentielles qu'on développait avec notre équipe en Australie, c'est, mais en fait, quelle est ma place dans le vivant? Est-ce que j'ai principalement des droits sur mon monde, sur mon écosystème, ou des devoirs? On a un peu des deux certainement, mais je pense que pour moi c'est vraiment une question fondamentale. Et en Australie, je finis juste sur ça, il y a un terme en anglais que je trouve très fort, c'est de custodian. De custodian,
celui qui prend soin. Et c'est ce que disait à travers Claude, je n'ai pas noté le nom de ce monsieur, il parlait de ça en fait, il parlait de responsabilité. Avec cet énorme pouvoir qu'on a à avoir dominé notre monde, viennent des responsabilités. Et ce n'est pas en fait le tonton de Spider-Man qui l'a dit en premier, « With great powers come great responsibility », ça vient en fait de la Révolution française. Et je pense que c'est en tant qu'espèce vraiment la façon dont on doit maintenant se poser cette question. Je vous avais prévenu que Christophe propose une approche fusionnelle. Voilà. Et donc, c'est la goutte d'eau de l'Himalaya qui vous parle. En tout cas, je vous confirme que la vue est très belle de là-haut. On est très heureux de vous observer et de partager un moment de vie avec vous chaque année pendant BIM Expo, puis tout le reste de l'année. Parce que cette communauté de la bioinspiration, c'est aussi une très belle communauté. Et oui, d'une certaine manière, c'est aussi une grande cousinade. Et il y a beaucoup d'approches fusionnelles. Léa, sur cette idée de... Moi, j'aime bien parler de communauté de destin, en tout cas de projet ou de projet commun. Est-ce que là aussi, évidemment, l'économie sociale, solidaire à impact, c'est aussi un moyen de, bah, tout simplement, de fédérer, d'animer des équipes et de marcher ensemble dans une direction commune? Oui, tout à fait. En fait, moi, le point sur lequel je voulais rebondir, c'est que c'est l'importance du récit qui a été aussi notamment cité par Brieux et Timothée, je crois, et c'est tout l'imaginaire, notamment sur la question du voyage. Où on se dit, OK, demain, si on veut faire de ce lien avec la nature une réalité, le fait que ça nous inspire, qu'on l'ancre dans le réel, il y a vraiment besoin de changer les récits autour de ça. L'ESS, et donc l'économie sociale et solidaire, qui est au départ un secteur qui s'est construit sur des statuts avec une gouvernance spécifique et un mode de fonctionnement spécifique, mais qui réunissait autant des associations que des coopératives, que des mutuelles, que des fondations. C'est aujourd'hui élargi à ce qu'on appelle l'économie à fort impact social et environnemental et qui du coup regroupe toutes les structures, qu'elles soient associatives ou entreprises, qui ont cette même volonté, avec l'idée de dire comment on s'inspire les uns des autres, comment on s'entraide, comment on crée justement des nouvelles règles du jeu. Plus on grossit, plus il y a évidemment aussi la problématique des abus et du fait que certains s'emparent de aussi ce souhait d'impact pour en faire des outils de communication. Et donc l'enjeu de aussi réglementer, mettre des critères aussi sur qu'est-ce qui contribue réellement à construire une société inclusive et durable dans notre économie et qu'est-ce qui n'y contribue pas ou fait semblant d'y contribuer, parfois consciemment, parfois inconsciemment d'ailleurs. Et donc tout l'enjeu en effet, c'est qu'il y a... c'est que c'est des acteurs qui communiquent entre eux. Et un des projets qu'on a menés ensemble, NewCorp, le Cebios et Make Sense cette année, c'était comment on réconcilie, ça s'appelait le Biomimpact Tour, comment on réconcilie le monde du biomimétisme avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Et comment on arrive à ce que ces communautés d'intérêts qui partagent des valeurs communes puissent davantage travailler dans la main et d'une part avoir des outils économiques, de l'autre part des outils d'innovation qui sont mis au service d'un même objectif. Et ça, c'est à travers notamment la sensibilisation, la répétition, la pédagogie qu'on arrive à faire que ces écosystèmes qui aujourd'hui agissent vers un but commun, mais parfois peut-être de façon trop séparée encore, peuvent trouver des zones de contact, de coopération et on espère de création de valeur pour tous. Est-ce que, Claude Grison, est-ce que du côté de BioInspire et de cette nouvelle génération de chimie et d'éco-catalyse biosourcée et de formulation d'intérêt, vous ressentez aussi que, d'une certaine manière, vous apportez des réponses qui étaient attendues, vous ouvrez des portes qu'on voulait ouvrir. Enfin, est-ce que vous avez le sentiment de rentrer en résonance aussi avec les attentes de l'époque? Je pense que oui. Alors, ce serait peut-être manque de modestie de ma part de dire qu'il peut y avoir un enthousiasme autour de ce type de solution. Mais je pense qu'on, oui, on répond à une attente. En tous les cas, on est vraiment dans une démarche de construction. Il est très difficile, je pense, au quotidien de se limiter à des bilans extrêmement négatifs et pessimistes sur l'avenir. Je pense qu'on a le devoir, d'évoluer, de s'adapter, de se remettre en cause. Les réflexions de Christophe étaient très intéressantes là-dessus. Oui, nous ne sommes pas propriétaires de la nature, mais on a le devoir de la protéger. On a le devoir, effectivement, d'oublier nos idées toutes faites, nos préjugés, ce que a dit Léa également très important, je pense, et d'ailleurs le biomimétisme est une très bonne école pour ça. On a besoin de s'écouter, on a besoin de décloisonner les pensées, les disciplines, les approches, et de travailler collectivement à la construction de quelque chose de beaucoup plus positif.
c'est ce qu'on essaie de faire, je veux dire, dans le cadre de Bioinspire, ne serait-ce qu'en mélangeant, je vous l'ai dit, voilà, des gens qui ne se connaissaient pas du tout, qui ne se côtoyaient pas, parce qu'on réunit quand même chimistes et écologues de disciplines qui, par nature, ne veulent pas discuter ensemble et s'opposent régulièrement. Et vous apportez en plus de l'anthropologie dans ces discours. Donc ça veut dire, voilà, on a envie de partager tout ce que l'on fait, d'écouter les approches et le retour des autres pour avancer collectivement. C'est une attente, on espère donc montrer que c'est possible et créer cette envie autour de nous. Je crois que Christophe voulait réagir, moi je me tais, je l'écoute. Je vais remercier aussi Claude et rebondir par rapport à cette idée de synergie à une invitation. Sur le bateau et à travers aussi ces voiles solaires qu'on est en train de créer, c'est pour être en fait des génératrices d'énergie afin de générer de l'hydrogène. Donc l'un de nos scientifiques dans le groupe de travail, Marius Réglier, a inventé un nouveau système de génération d'hydrogène, à travers un système qui n'utilise pas de platine, qui est un élément nécessaire pour cette transformation. Et donc, on travaille aussi vers une chimie régénérative et donc ravi de pouvoir partager. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, c'était un formidable moment qu'on a passé ensemble grâce à vous et cette idée de pluridisciplinarité. Gabrielle Alpern, philosophe qui était avec nous juste avant, l'exprime d'une autre manière. Elle nous invite à l'hybridation. Tous s'entorent. Je refais un petit coup de pub sur son bouquin parce que c'était une très belle invitation qu'elle nous a lancée tout à l'heure. Devenons tous hybrides, devenons tous centaures. C'est-à-dire que c'est notre hybridation et notre mixité et cette capacité à mêler nos talents et nos identités justement qui peut créer une nouvelle force et une nouvelle capacité à appréhender ce monde d'après, parce que ce monde d'après existe, il a 3,8 milliards d'années, il est tout autour de nous, à nous de nous en inspirer. Merci beaucoup pour cette approche très fusionnelle entre vous, entre économie régénérative, éco-catalyse, biosourcing, éco-conception, projet à impact, impact social et solidaire. Un grand merci Claude Grison, merci Brieux Safré, merci Timothée Kellar, Léa Zaslavski et Christophe Sachs. On se retrouve dans 30 minutes pour une séance spéciale de clôture où on va un peu faire le débriefing de la semaine avec quelques amis et bonnes surprises qui vont nous retrouver en duplex. Et puis, évidemment, on vous montrera un petit peu les coulisses de cette folle semaine qu'on vient de vivre ensemble et on vous montrera le côté backstage. Non, pas le côté obscur justement, le côté backstage. On se retrouve à 16h30. Merci beaucoup, à tout de suite.